Communication des procédures spéciales. Les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme sont des experts indépendants en matière de droits de l'homme qui ont pour mandat de surveiller, de rapporter et de conseiller sur les droits de l'homme d'un point de vue thématique ou spécifique à un pays. Dans le cadre de leurs efforts de promotion et de protection des droits de l'homme, les titulaires de mandat peuvent donner suite à des plaintes concernant des violations ou des atteintes présumées aux droits de l'homme en envoyant des communications. Les communications sont des lettres envoyées par les procédures spéciales, individuellement ou collectivement, au gouvernement ainsi qu'aux acteurs non étatiques tels que les entreprises commerciales, les sociétés de sécurité ou militaires et les organisations intergouvernementales, par exemple, au sujet d'allégations de violations des droits de l'homme commises par des gouvernements et ou des abus commis par des acteurs non étatiques. Il existe trois types de communications: les appels urgents, les lettres d'allégation, ainsi que ce qui est appelé les autres lettres. Les violations en cours ou potentielles des droits de l'homme peuvent faire l'objet d'un appel urgent. Dans les cas où les violations présumées sont urgentes, en termes de perte de vie humaine, de situations mettant la vie en danger ou de dommages imminents ou continus, d'une nature extrêmement grave pour les victimes. Les violations des droits de l'homme passées, en cours ou potentielles, peuvent faire l'objet d'une lettre d'allégation. Dans les cas où les violations alléguées n'impliquent pas la perte de vie humaine, des situations mettant la vie en danger, ou des dommages imminents ou continus de nature grave. Les projets de loi, la législation ou les politiques peuvent faire l'objet d'une autre lettre, dans les cas où les rapporteurs spéciaux estiment que les projets de loi, la législation, les politiques ou les pratiques ne sont pas conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. L'objectif des communications est multiple: attirer l'attention des gouvernements et des autres acteurs sur des allégations de violation des droits de l'homme, établir un dialogue avec les autorités gouvernementales compétentes et les autres parties prenantes, demander aux autorités ou parties prenantes concernées d'enquêter sur les violations présumées et d'y remédier, et rendre compte des résultats et des mesures prises, donner de la visibilité aux cas concernés et rendre compte au Conseil des droits de l'homme des communications envoyées et des réponses reçues. La procédure de communication, ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit pas d'une procédure judiciaire qui peut remplacer les poursuites judiciaires. Elle ne vise pas à établir les faits en tant que tels et ne porte pas de jugement, mais vise plutôt à attirer l'attention sur des allégations crédibles. Les procédures spéciales n'ont pas de moyens contraignants pour faire appliquer leurs recommandations. La procédure de communication se déroule en trois étapes: la soumission d'informations, l'envoi de communications, la publication des communications. La demande doit contenir une description factuelle des violations présumées des droits de l'homme. La plainte doit être basée sur des informations fiables, détaillées et concises. La communication ne doit pas être exclusivement basée sur des rapports diffusés par les médias. Il n'est pas nécessaire que l'État concerné ait ratifié un traité international ou régional relatif aux droits de l'homme, ni que la victime présumée ait épuisé les voies de recours internes. Qui peut soumettre des informations ? Toute personne, y compris les individus, les groupes, les organisations de la société civile ou les organismes nationaux de défense des droits de l'homme, peuvent soumettre des informations aux procédures spéciales. Les informations peuvent être soumises par les victimes directes ou indirectes, ou par toute autre personne, groupe ou organisation ayant une connaissance fiable des violations alléguées. Les personnes qui soumettent des informations doivent fournir leurs coordonnées, mais ces informations resteront confidentielles. Les procédures spéciales ne peuvent pas agir sur la base de plaintes anonymes. Le consentement des victimes a-t-il été obtenu? Il est extrêmement important que les victimes présumées et ou leurs familles ou représentants, légaux ou non, indiquent dans leurs observations s'ils consentent ou ne consentent pas à ce que les procédures spéciales donnent suite aux allégations présentées via l'envoi d'une communication. Le nom de la victime soit divulgué dans une lettre qui peut être envoyée au gouvernement ou à d'autres personnes telles que des entreprises, des sociétés de sécurité ou militaires. Les noms des victimes figurent dans un rapport public au Conseil des droits de l'homme. Des mesures de protection peuvent être appliquées et les noms peuvent être retirés de la version publique de la communication sur simple demande. Qui est l'auteur présumé? Il est important de fournir, dans la mesure du possible, des informations sur le ou les auteurs présumés, y compris lorsque la violation présumée implique des acteurs non étatiques. S'il s'agit d'une entreprise commerciale, veuillez inclure autant d'informations que possible sur l'entité organisationnelle, en particulier les coordonnées et les informations sur le siège et ou le propriétaire de l'entreprise. Où, quoi, qui, comment et quand?
Inclure la date, l'heure, le lieu et une description détaillée des événements est essentiel. Vous pouvez également inclure la législation et les politiques pertinentes relatifs au cas. Les victimes, les auteurs présumés des violations, les circonstances des violations présumées, les actions entreprises par les victimes et ou leurs représentants légaux et les résultats obtenus, ainsi que les mesures prises par les autorités compétentes pour remédier à la situation et les résultats obtenus, doivent être inclus dans la plainte. Comment soumettre des informations ? Les informations peuvent être envoyées en anglais, français ou espagnol, de préférence via le portail en ligne. Envoi de communication. Les informations contenues dans les plaintes sont analysées et évaluées par les procédures spéciales. Les titulaires de mandat peuvent décider d'envoyer une communication conjointement avec d'autres procédures spéciales. Publication des communications. Les communications sont rendues publiques 60 jours après leur date d'envoi pour ce qui concerne les appels urgents et les lettres d'allégation. Les communications sont rendues publiques dans les 2 jours ouvrables suivant la date d'envoi lorsqu'il s'agit d'autres lettres. Les communications sont rendues publiques dans la base de données des communications en ligne. 3 fois par an, un rapport résumant les communications envoyées et les réponses reçues est présenté au Conseil des droits de l'homme. Les communications sont disponibles sur le microsite des procédures spéciales. Retour d'informations après les plaintes aux procédures spéciales. En raison du nombre de demandes reçues et de la nature confidentielle de la procédure dans sa phase initiale, il n'est pas possible de fournir des mises à jour sur l'état d'avancement des demandes. Suivi. Lorsque les titulaires de mandat estiment que la situation le justifie, ils peuvent décider d'y donner suite de différentes manières, par exemple la diffusion de communiqués de presse, l'organisation de réunions avec les autorités gouvernementales compétentes, l'organisation de réunions avec des entreprises ou d'autres acteurs concernés, des demandes de visite dans le pays concerné et toute autre activité de suivi qu'ils jugeraient utile.